Bonjour tout le monde. Ceci, c'est plutôt un appel aux GAFA. Voilà, y est pas les GAFA, on a besoin de vous. On a besoin d'un modèle de gouvernance qui vienne de vous, discipliné, raisonné. Et voilà, pourquoi je fais ce cast aujourd'hui? C'est parce que ce matin, j'ai le cœur très serré en me levant. Je regarde l'actualité et je regarde tous ces génocides et je peux pas m'empêcher d'être touchée au jour d'aujourd'hui en voyant toutes ces familles qui sont disséminées par des bombardements. Personne ne veut ça, nous on ne veut pas ça. On veut un monde sans douleur et un monde sans guerre et on veut perdurer, protéger notre environnement. Donc s'il vous plaît les GAFA, écoutez-nous. On évolue vers un monde qui va être décentralisé, décentralisé également en termes de politique et on a besoin justement de gens raisonnés et de raisonnables. Donc s'il vous plaît, quand vous faites les choses. Vous allez donner une impulsion au monde, vous avez ce pouvoir de donner une impulsion au monde. S'il vous plaît, donnez une impulsion intelligente à ce monde. Les gens méritent un monde meilleur, peut-être user first, consommateur premier, mais avant tout juste humain en premier. On est humain et on refuse justement cette domination par l'ego, par cet ego surdimensionné. On est de. Je m'inclus dedans. La nature humaine, elle est pourrie. Moi aussi, je peux l'être. Mais je me raisonne. Je me raisonne et je souhaite que l'équilibre, en fait, il soit social, que l'équilibre, il soit populaire. Et peut-être que grâce à vous, on l'obtiendra et on s'en approchera. Donc voilà. Ouais, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis rarement en colère. Je suis une personne qui est plutôt très calme. Mais là, non, je ne le conçois pas. Comment est-ce qu'on peut disséminer des populations rien que parce qu'une personne a décidé dans son petit sommeil qu'il allait en mettre dans la gueule à un autre politique et que pour ça, on nous utilise, nous? Non. On veut une économie qui soit raisonnée. On veut une économie qui se développe et qui soit acteur. On veut être consomme-acteur. On veut être prod-acteur. Et on veut être acteur de nos vies. Et on veut surtout se respecter entre nous. On aime nos proches. On aime nos familles. Jamais je ne pourrais concevoir qu'un jour, quelqu'un décide de venir bombarder ceux que j'aime ou vienne décider de mettre en péril ma propre famille. Et si je devais parler de la crise des migrants, ça me fait mal au cœur d'entendre les gens dire que non, on doit fermer les frontières. Moi, si avec ma famille un jour, eh bien, j'étais en péril, je ne supporterais pas de voir ma famille aussi mal. J'aimerais bien que quelqu'un m'ouvre une porte. Donc voilà pourquoi moi j'ouvrirai une porte toujours à quelqu'un. Parce que j'ai toujours l'espoir qu'un jour, si ça m'arrive, eh bien, que quelqu'un m'ouvre une porte. Alors ouvrons nos portes collectivement. Je ne vous dis pas d'accueillir les migrants, mais je vous dis de vous mettre à votre place et de comprendre ce qui se passe derrière. Qui c'est qui oblige les gens à bouger? Qui c'est qui oblige les gens à migrer actuellement? Mais c'est justement ces gens qui ont trop d'ego et de sale ego et qui, pour satisfaire leur propre ego personnel, sont prêts à mettre en péril la race humaine, notre espèce humaine. Donc non, 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 on doit être solidaire et on doit revenir solidaire, voilà. Alors je suis désolée, je suis hyper émue, mais vraiment il y a des images qui circulent et moi je vous invite à pas diffuser ces images avec ces enfants dans une telle détresse parce que je trouve ça abominable à voir et je ne comprends pas que de nos jours en fait on tolère ça. Je souhaite une action qui soit pacifiste, pas de révolte, je ne suis pas politique et je m'en fous de la politique. Pourquoi? Parce que j'y ai consacré beaucoup trop d'années d'intérêt et en définitive ça m'a rendue plus malheureuse. Donc maintenant je décide d'être dans l'action et il m'en coûtera ce qui m'en coûtera, mais j'ai envie de dire à vous tous. Soyez unis et s'il vous plaît, vous, membres de la gouvernance des GAFA, Mark Zuckerberg, s'il vous plaît, écoutez-nous, on a besoin de vous et mettez en place des systèmes qui soient raisonnés. On a besoin de vous, aidez-nous. Voilà. Et aidons-nous les uns entre les autres. À bientôt pour un YEPA World meilleur et qui se respecte.